Madame la Présidente future, chers amis, pour vous dire à la fois mon admiration pour ce que fait Marine Le Pen et tout mon soutien, mon admiration pour la façon dont elle mène sa campagne. Elle est au contact du peuple français. Nous avons besoin à la présidence de la République quelqu'un qui ait le contact avec la population de notre pays. Nous avons connu un président qui n'avait jamais été élu. Nous avons vu ce que cela a donné. Marine Le Pen est au contact de la population tous les jours. Elle est depuis hier dans notre département. Elle est allée, ce qu'aucun candidat n'avait jamais fait, voir Iter à côté d'Aix-en-Provence et Cadarache. Nous avions fait beaucoup à l'époque pour aider la population. Nous avons vaincu les Japonais. Nous avons vaincu ensuite l'Espagne. Nous avons obtenu ce projet pour la France. Et un dirigeant politique, pour la première fois de haut niveau, est allé voir le projet qui fera que nous aurons normalement l'indépendance énergétique grâce au thermonucléaire. Bravo d'avoir fait cela. Vous avez tout mon soutien. Elle a aussi une campagne qui est de longue haleine, où elle ne se laisse pas influencer. J'ai connu, parce que j'ai fait toute une expérience de campagne auprès des gaullistes, du RPR, de l'UMP, etc. Jacques Chirac a été élu à la troisième tentative. François Mitterrand a été élu à la troisième tentative. Marine Le Pen sera élue à sa troisième tentative. Et je termine en ceci. J'ai toujours été attaché à une certaine idée de la France, à la France, aux Français et à ce qu'est notre pays. J'appartiens à un mouvement qui est à côté de celui du vôtre, du Rassemblement National, l'avenir français. Nous croyons à la France. Marine Le Pen croit en l'avenir de notre pays. Nous sommes ici aussi pour nous battre, pour que la parole de la France soit à nouveau entendue, que notre pays soit à nouveau dirigé. J'invite tous mes amis, LR, gaullistes, à soutenir la candidature de Marine Le Pen et à la porter à la présidence de la République. Bravo.